Yo tout le monde, c'est Squeezie. Trop débarque. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous avoue. Et avant de commencer, on en parle du couple Michou et Elsa. J'ai même pas envie d'en parler, les gars, tellement que ça me saoule. Moi, je leur mettrais deux chassés dans la FIFA, Elsa, là. Cette grosse michetonne, hein. Faire ça à Mich-Mich, c'est sacrément dégueulasse, quoi. Regardez, moi, j'ai passé mon petit coup de gueule, Michou et Elsa. J'ai plus envie d'en parler, les gars. Moi, j'ai plus envie d'en parler, tellement que ça m'a saoulé. On passe clairement à mon appartement. Parce que là, il y a des trucs à dire. Là, il y a des péripéties. Donc déjà, tout remonte à avril, le Covid et tout. Manu qui nous met la tête sous l'eau déjà. Mais juin, il y a les résultats sur Parcoursup. Donc savoir si j'ai été accepté en Staps ou pas. Là, je suis là, je tremble. Est-ce que Ludo, tu vas en Staps de Bordeaux? Et finalement, les gars, j'ai été accepté. Mais ce que je savais pas encore, c'est que le plus dur arrivait finalement. J'ai pas trop envie de me retrouver avec Jackie à la rue, 50 ans qui se prend des balles de flashball dans la FIF. Si tu veux, il fallait que je trouve un appart. Putain, c'est dur. C'est pas la mer à boire. Donc je peux vous dire qu'Alfredo, on a fait le tour de la région bordelaise finalement. Et on en a visité des appart, mais on trouvait rien du tout, les frérots. Mais bon, à chaque fois qu'il y avait un truc qui clochait, bon, moi surtout, je regardais les boîtes aux lettres. Dès qu'il y avait un Karim, un Allahu Akbar qui traînait dans le coin, c'était non. Non, mais on les connaît, les gens comme ça. Ça commence à être chaud parce qu'on était vers début août. Et je dis, putain, je vais me retrouver à la rue. Donc là, j'étais là, dans quel merdier je me suis foutu. Là, je m'en souviens, on était début août. Et là, je vois une annonce sur le bon coin. Et là, je pète un câble sur l'annonce. 33 mètres carrés, 50 euros. Je fais, putain, 50 euros. Pensais honnêtement que c'était un gros fake. Quand j'ai vu, je dis, putain, c'est encore un. Toutes les magouilles, ça vient de l'immigration. Bref, alors finalement, le mec, j'appelle bizarre au téléphone. Je me dis bizarre, mais on arrive quand même à avoir une visite. J'ai la peur au cul parce que je me dis à tout moment, on se fait agresser par des bottes de baseball avec Fredo. On se fait baiser la gueule, quoi. La meuf, elle me dit pas que c'est pour moi. Elle me dit, ouais, vous aurez la réponse dans 2-3 semaines. Et après, elle m'appelle l'après-midi. Ouais, ça serait bien de remplir ce dossier. Là, vous avez ma feuille de dossier. Donc, crois-moi que je la voyais venir avec ses énormes sabots comme ça, la meuf. Je savais très bien que c'était moi qui allais être la porte. Elle avait qu'à me le dire le premier jour, quoi. Et là, 2 semaines après, les gars, comme prévu, je vois que j'ai eu la part. Je vois qu'avec Fredo on a eu l'appart, je reçois un petit mail, mais c'est pas fini parce que ça serait trop simple. Fredo il fait ses petits plans une fois qu'on a l'appart, il commence à m'aménager l'appartement comme ça, comme ci, comme ça. Le plus important c'est ce qui s'est passé un mois après, quand j'emménage vraiment dans mon appart, une fois que Fredo il a fini les travaux. Là on va avoir le fin mot de l'histoire et c'est complètement zinzin mon gros lapinou. À rentrer c'était le 1er septembre je crois bien, on se souvient c'était un mardi matin que je rentrais, je m'apprête à passer la nuit dans mon appart. Je suis pas une fiotte de gauchias mais j'arrive pas à dormir, je vous dis, je me sentais pas bien. J'étais là, putain, j'étais barbouillé, j'étais là. Il y a un truc qui se trame dans l'appart. Premier réflexe que j'ai. Putain, ça. Le micro marche plus. Premier réflexe que je fais, mais c'est un peu le truc qu'on fait. Parce que c'est un peu drôle, quoi. C'est un peu dans les films. Je regarde sous mon lit. Et là, les gars, devinez qui je vois sous mon lit. Mais vous allez jamais y croire, les gars. Le gros Squeezie, en personne, le mec. Le mec, il était là. Il était sous mon lit, donc il a cru que je l'avais pas vu. Entre en eye contact, comme ça. Oh, il croit qu'il va m'amadouer. Il commence à. Il arrêtait pas de faire. Yo tout le monde, c'est Squeezie, comme ça. Mais c'est un gros dingo, ce mec. Je pensais que j'allais tomber dans son panneau. Mais pas du tout, mon gros Squeeze, pas du tout. Donc je commence à le sortir du lit. Je le menote avec un bracelet, comme ça. Je commence à péter un câble. Je fais, putain, mais Squeeze, qu'est-ce que tu branles chez moi? Bon, c'est vrai qu'on se connaissait un peu avant. Mais de là à venir sous mon lit comme un gros dingo. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout chez moi, le gros Squeeze? Et là d'un coup il commence à regarder sous mon évier. Et le mec il commence à parler en égyptien. T'es un cap, je fais mais qu'est-ce que tu branles? La vidéo des pyramides ça t'a pas suffi mon gros Squeeze? Et là je vois qu'il appelle le mec pour qu'il se barre. Sauf que moi, ni deux, je vais sous mon évier, je vois dans le placard. Et là les gars, c'est pas qui je vois, Mathieu Valbuena, ce gros nain. Donc les mecs, j'avais un peu peur, ils commencent à parler en égyptien. Tu sais pas, deux nains ensemble, ça peut s'assembler, ça peut devenir des vrais Yamakasi comme ça, ils peuvent mettre des coups dans la FIF. Donc j'étais sur mes gardes, j'étais sur mes gardes, 1 mètre de distance, Covid friendly. Je vous passe les détails, force de regarder Nagui, je commence à comprendre l'égyptien. Et là en fait, que je comprends, vous voyez la sextape de Valbuena avec Karim Benzema, Didier Deschamps, enfin bref, tout le tralala. Pourquoi c'était un truc que personne n'a voulu voir? Parce que Mathieu Valbuena, c'était avec le gros Squeeze qui faisait sa sextape, le mec. Et là, je commence à comprendre. En fait, Mathieu Valbuena, il sort avec Squeezie. Les deux, ils sont amants. Et les mecs, pour essayer de m'amadouer, ils commencent à me proposer un plan à 3. J'étais à deux doigts de leur mettre 2 chassés dans la gargante parce que, au bout d'un moment, 2 tafioles comme ça, je les détache et je les sors de mon appart. Et bah voilà, après, bon, tu vois, j'ai été tranquille, poker face à la rentrée, j'ai rien dit parce que je suis quand même un mec droit. Et tu vois, même mes meilleurs potes, ils savent pas. Donc là, ils vont le découvrir avec la vidéo. Voilà. Sinon, par rapport à mon appart, bon, des fois, j'ai un peu le syndrome de Diogène, quoi. Mais sinon, tout se passe bien, quoi, dans cet appart. Dodge, j'espère que t'as plu, mon gros tigrou. Parce que moi, m'a plu. Moi, m'a plu, clairement. C'était un peu l'anecdote de gros dingo que tu racontes à Noël. Et bah, moi, je l'ai vécu en vrai, quoi, clairement. Donc, yo tout le monde, c'est le cas de le dire. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Trop des barres. Bisous. Bisous, la mif. Allez, salut. Putain, ça me casse les couilles. Ah, salut.